Et bien bonjour à tous, c'est Morgan, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de nos séries Outlast 2. Nous y allons directement, je suis en compagnie de Gotenzo. Oh. Bonjour. Dans le dernier épisode, Gotenzo avait... Fais gaffe. Ah, ça c'est encore vivant, on dirait. Est-ce que ça respire? Ça respire clairement, c'est la meuf, hein. Ouais, je suis on dirait sûr. Un peu. On avait été coursé par des mecs que Gotenzo avait finalement réussi à fuir. Ouais. Cette dame est vivante. Attends, il filme. Je vais enregistrer ça, hein. Pour le vlog, ça va faire du buzz. Voilà, à la boîte. C'est bon, coupé. Mais comment tu peux faire vivre des gens là-dedans? Ça y est, mec, je commence à me poser des questions philosophiques, mec. Tu te souviens, on s'était fait couper un doigt dans le 1 aussi. Ouais. Ah, mais je pense que ça va pas tarder. Hein, j'avoue. Ah, je cherchais un truc à lire, mec. C'est quoi ces conneries? Oh mon gars! Petite affection là, monsieur, hein. C'est boudague, ouais. Hein. Oh, ouais, je te jure. Ouais. Oh, je passe comment, moi, gars? Regarde là-bas, y'a quoi? Ouais, là. Forcément, eux, ils ont voulu sauter! Merde! Oh là 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 là. Il est dans la maison! Mais what, gars? Comment je sors? C'est rien, te fie pas à la musique, mec, c'est une traître. Elle essaie de te déconcentrer, c'est tout. Même papa qui essaie de me calmer, là. Cache-toi sous le lit, mec. Tu peux pas. Va sur le balcon. Croupi. Ah, comment c'est? Ah, putain, j'avais un truc pour me cacher. Saute. Attends, tu crois qu'il va venir? Non, oui, il va venir. Ah. Oui, j'ai dit saute, mec. Ah, c'est quoi ça? Il y en a un qui a pété une porte, vite, cours. Alors, on se calme. Fuis. Là. Yes. C'est bon, là tu... Là je gère. Là t'es bien. Accroupi, vite. Y'en a un gars. C'est. Bien joué. Allez. Mais non, mec, un fils de pute, il a pas avancé, gars. Tiens, nique-toi. C'est impossible, ça. Oh, mais voilà. Ils sont toujours deux, ces fils de pute. Ils me le font à l'américaine. T'as vu ça, mec, c'est chaud, hein. Chier. Ah voilà, ça repartit direct, j'ai pas le temps de me reposer 2 minutes, gars. Thomas, sprint, bang, allez hop, ça va. C'est C, hein, pour se coucher. C. Et t'avances en même temps, vite. Là, t'es bien. Putain, allez, coach, faut ramper maintenant. Je pense qu'il te suit comme moi avant. C'est pas ça, mec. Ouais, mais il te suit, à part ça, y'avait la. Ça me stresse, ouais, ça me stresse. Il te suit. Ouh, c'est intense, hein. On avance pas dans l'histoire, mais c'est grave intense, hein. Ouais, un peu. Ouais, parce qu'on est là en fait pour retrouver une meuf avec qui on était venu tourner, hein, à la base. Heureusement que c'est pas comme ça tous les jours avec nous, hein. J'imagine, mec. Chaque fois tu dois retrouver ton pote, gars. Bien joué. Ah. Ouvre la porte. Ah, t'es. Bah, fils de pute, le gars. Ouvrez la porte. Bah, j'arrive pas. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, ouais, ok, c'est de la merde. Non, mais là, c'est carrément. Mais. Allez, c'est mort. C'est bon, bien joué. Laisse-moi tranquille. C'est. T'y arrives ou pas? T'es mort. C'est trop chaud, gars. Moi, j'avoue que là, c'est pas. Allez, très facile. Au taquet, allez, mec. Tu restes sur C quand tu bourrines le sol après. Ouais. Mais faut que j'appuie plusieurs fois, quoi. Ouais. What, mec? J'avais pas ça avant. Non. Oh putain, t'as eu de la chance là. Ah? T'as eu de la chance là. Vas-y. Monte. Alors, c'est là que ça vient de peiner. Ouais. Vas-y, spang. Allez, hop. C'est bon, c'est, reste sur c'est. Je t'allume. Et t'accroupi, voilà, bien joué. Il est fort, il a dit. Ah ouais? Je crois, il a dit, oh, il est fort. Ok, c'est. Ce game. Entrez. Ah, je suis safe là ou bien? Non, ouvre la porte, mec, t'es jamais safe dans ce jeu. Okay. Voilà, là t'es safe, y'a plus la musique. Faut te fier à la musique. Ferme la porte quand même, voilà. On est bien là. Oula. On dirait que ça pue ici. Elle ressemble à. Ah, un peu, hein. À celle d'avant là. Mm-hmm. À une qu'on a vue avant en tout cas. Je sais plus laquelle, mais il y en a une comme ça. Faut que tu dois filmer ça par ça. Ouais, je suis en train de filmer. Don't be afraid. You're going to. To heaven. Ok. Ça veut dire tu vas au paradis, frère. Pourquoi? C'est quoi ce bordel? Non, on va y aller. Est-ce que je perds la tête? Ouais, clairement, mec.
Oh là là, il y a des armoires pour se cacher. Ça pue ça. Mm. Faut que je passe par là, gars. Je pense. Je sais pas. Putain. Non, mais genre sur le toit, tu sais. Ok, bon, bah. Comment je peux atteindre cet endroit? Putain de clôture. Je pourrais la grimper. C'est clairement sa voix, mec. Sur quelque chose. Il suffit de monter que sur quelque chose. Est-ce que ouais, ça hein. pourrait faire l'affaire? Ouais. C'est quoi, vous pouvez regarder? Ah ouais. Mm-hmm. Ça, ça fait plaisir. Ouais, ouais. Oh. T'es pas peur. Oh, mec, regarde qui c'est qui m'attend là-bas. Oh lolololol, mon gars, t'as vu qui c'est? Ouais, la vieille là. Enfin, la... Oh putain, dépêche-toi. Comment je monte? Oh, y'a. Je sais pas si je vais dans la bonne direction, mais j'y vais. Y'a pas un truc qui vient de passer là? Non, non, c'était une feuille, t'inquiète. Oh putain. Non, c'est une feuille, t'inquiète, t'inquiète, mec. Je vais me cacher ici. Ah? Non, mais j'ai vu qu'il y avait un truc qui arrivait, gars. Ok, ok. Ah ah! Non, mais ça c'est. Oh, ouais, c'est encore une meuf folle qui raconte sa vie puis qui te met des coups quand t'arrives vers elle. Tu crois, gars? On dirait, hein, mais. Oui, c'est ça. Elle a l'air... Que t'as vu comme elle te regardait dans les yeux, mec, quand tu filmais là? Ouais, j'avoue, gars. Elle sait que je suis là. Ah ouais, clairement. Mais... On va essayer d'y aller, hein. Va là, l'autre côté là-bas. Ouais, va voir un peu là-bas. Ah ah! L'autre, elle est allée où? La meuf? La boss là. Ah, je sais pas, mec, elle doit être par là. J'étais pas encore allé dans ce sens là. Non. Oh là là. Quoi, elle est là? Ah, c'est encore elle là. Y'a pas des. Y'a plein de trucs à prendre ici. Si, là-bas y'a une pile, putain, elle fait chier, gars. Ah, là aussi. Où ça pue, mec, y'en a tellement, mec, regarde, y'en a une autre là-bas. Hein, c'est des bandages. J'ai pas le temps de lire, hein, là. Madame, tu permets que je prenne ça, merci, au revoir. Ah ah! Oh non, 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 non! Alors ça, j'aime pas du tout ça, madame! Au moment où il y a eu sauvegarde, ça va, mec. Ouais, c'est jamais bon signe quand il même. On n'a pas les chances! Oh! Là, je crois que je suis foutu. T'as clairement. Ah! Oui, c'est bon, j'y vais, pardon. Je mec. Non, j'étais chez elle, c'est pour ça. Ah, ah bah oui, bah bon. T'es pas malin alors. Bah non. Elle est pas contente là-dedans. Ouais, par contre, comme elle crie, ça va vite m'énerver ça. Je sais pas où aller, mec, c'est chiant. Là-bas, non. Ah, mais là, je suis. Oh là là. Oh putain. Elle était juste là, gars, what? Hein? Elle fait pas de bruit, hein, quoi, elle te suit. Voilà, ça c'est fait. What? Trop peur, le gars. Oh. Elle nous a coupé la bite! Je t'avais dit c'était dans les couilles, mec. Elle vise les couilles, cette salope. Ouais, hein. Hein. Alors, elle a tout compris, mais c'est pas sympa. Je sais pas où aller, gars, c'est chiant. Oh non, 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 pas encore. Mais what? Mais what, gars? Elle est déjà là! Ah putain, mais calme-toi, calme-toi, calme-toi! Non, en fait, c'est ça qu'on doit faire. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Mais ce serait bien qu'ils me laissent juste le. C'est pour ça qu'ils nous ont dit, ouais, faites halte pour voir derrière quand vous poussez, en fait. Oh, mais tant pis, toi. Oh putain. Elle est vraiment horrible, hein, cette dame. Tu n'es pas belle, madame. Ah, tu me dis si tu la vois, gars. Ouais, t'inquiète. Tu cries tout ce que tu peux, gars. Oh oui, bonne idée. Bon, elle va tirer doucement. Là. Doucement. Elle passe là, tu crois, elle? Non, elle passe pas, gars. Elle se pipe pas en 4, elle. Elle est trop grande. Elle est trop énervée pour passer là, gars. Non, mec, t'es bien. Vas-y, essaye. Essaye de pousser. Ouais, ouais, ouais. Non? On attend que la musique s'arrête. Je la sens bien, là. Vous sentez le stress, là? Ah, vous sentez le stress là? Eh, le stress encore plus stylé. Ah, ça va, c'est easy. Elle est pas si méchante que ça, la dame. Faut juste savoir lui parler. Ouais, moi, je sais parler aux femmes, moi. Ah, là, par contre, j'aime moins, là. Ciao, Bella. Bien joué. Je me casse d'ici. Yes, sauvegarde. Attends, ça mérite une petite scène. À mon avis, ça signifie quelque chose, ce truc. Ça, c'est une église pour moi, ça ressemble déjà plus à une église qu'avant, tu te souviens? Ouais, ça donne moins envie quand même, hein. Ça donne moins envie quand même. C'est vrai. On est en train de se masturber au fond, gars. Ouais, je crois qu'il est en train de ken quelqu'un, mec. Ah putain, on a une image bien là. Ah non, il ken personne. Oh, il est pas bien, lui. On va lui demander si ça va ou bien. Vas-y. Il a marqué quoi sur son torse, mec? Je m'appelle Blake. L'étranger. Judas. Ça veut dire le traître. Quoi? C'est le traître. Ça veut dire c'est un traître, lui. Judas? Ouais, Judas, c'est le traître. C'est celui qui a trahi Jésus. Vous devez me tuer.
Non. Moi, je tue personne, moi, monsieur. Fais gaffe, pas te cacher, vite! Il y a la sauvegarde, ça me plaît pas. Elle arrive, je crois, l'autre. Ah, c'est bien, on peut. Chut. Ouais, je l'ai dit, justement, mais. Nous l'avons trouvé, Josia. Oh, c'est un nouveau! C'est quoi ce gros? Parmi les galeux, ce ne sont pas là les actions d'une femme à la conscience. Oh mec, elle est à poil! C'est notre pote, tu penses? Je pense pas. Non, on va la retrouver tout à la fin, je pense, notre pote bleu. Il ne te voit pas. Faites la réponse. Attends, mec. Elle est trop excitée dans son truc. Ou j'aime pas trop, il a sorti son arme là. On volait l'ennemi à naître. Le père du démon s'est échappé. Son immonde récolte sera poissonnée. Oh putain. Nous disposons seulement de quelques heures pour la retrouver. Ils entendent, tu crois? Non. Lui il est stylé à part ça. Ah, j'aime bien ce gars lui. Ouais, j'aurais peut-être moins l'aimer après. Mais tu l'as crié. Ah, voilà. Ah mais en fait ils sont en train de l'écarteler les gars. Ah là je suis bien choqué là, aïe. On a une bonne scène. Ah là je suis bien choqué là, c'est bien. Putain il est gros lui hein. Oh vas-y, ça va s'arracher bientôt là. Oh, ça doit tellement faire mal, ça, gars. Ça fait mal, tu penses, de ouf, mec. Oh, un mec, on t'arrache les membres. C'est bon, il parle, l'autre, il arrête. Vu qu'il parle, elle a plus mal, c'est bon. Il me fait penser à un mec au bout. Oh, mec. Attends, regarde à gauche. Ils vont pas là. Oh, mec. Aïe. Oh, c'est violent, là. Ah, ça choque, là. Oh, mec. Il a tué tout le monde pour finir, le gars. On a vu des tétés. Parce que la taille. Six fils de pute. Ah, c'est moi qui parle. Les mines. Où sont ces putains de mines? Bon, après une scène plutôt trash, hein, on peut le dire. Ah, non, ils avaient prévenu avant. Hein. Ah, ouais, hein. En même temps, Outlast, 18 ans quand même. Bon, merci à vous d'avoir regardé ce 7ème épisode. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 17h, la même chose, comme d'habitude, pour un nouvel épisode en compagnie de Gotenzo. C'est parti. À la prochaine. Ciao tout le monde.